compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous avons 5 points que nous allons développer pour vous, comme nous le faisons chaque fois. Alors, ici, nous avons le premier point, ça sera la polémique autour de M. Jules Ali Nguété, qui serait ou qui aurait un père sénégalais. En tout cas, c'est une polémique, comme nous vous avons dit aujourd'hui, c'est qu'avant les élections, vous aurez plusieurs attaques, vous aurez plusieurs diversions. Et nous y sommes. Ici, il faut savoir que la diversion, c'est à cause du rapport de la SICOMINE. C'est parce que tout simplement, on veut détourner les Congolais de la vérité. On ne veut pas qu'ils puissent connaître la vérité. Et pour cela, aujourd'hui, on s'emploie à s'attaquer à M. Jules Ali Nguété. Mais nous reviendrons en détail et nous vous expliquerons le pourquoi de tout cela. En deuxième point, nous reviendrons sur Kanyama KCC, où il y a eu plus de 2000 emplois qui ont été créés grâce au service national. C'est que tous les jeunes qui avaient été en formation, en menuiserie, et qui sont devenus des bâtisseurs, vous devez savoir qu'aujourd'hui, ils seront payés par le gouvernement. Et donc ici, vous devez savoir que c'est une création d'emplois. Il faut peut-être reconnaître et féliciter le chef de l'État parce que on est beaucoup à se plaindre, à critiquer, à dire qu'il y a le chômage en RDC, que le pays va mal, mais on n'est jamais là pour reconnaître les bienfaits et quand quelque chose est bien fait. Alors que ici, vous devez vous souvenir que sous M. Joseph Kabila, les Koulouns ont été plutôt tués. Vous vous souvenez de ce rapport qui a sanctionné plusieurs généraux à cause de ces pratiques-là. Mais aujourd'hui, sous Félix-Antoine Tshisekedi, c'est la méritocratie qui est mise en avant. En troisième point, nous reviendrons sur le deuil que nous sommes en train d'observer pour le moment dans le camp de M. Joseph Kabila. Vous devez savoir que le bateau se vide, le pauvre M. Joseph Kabila ne pourra plus, la constitution ne lui permet plus de se représenter. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir c'est que ses derniers fidèles sont abandonnés à eux-mêmes, tentent des sorties hasardeuses dans lesquelles ils sont en train d'annoncer la future candidature de M. Joseph Kabila. Mais le pauvre, il ne pourra pas se présenter et même s'il déposait sa candidature, elle ne sera pas tout simplement retenue. En quatrième point, nous reviendrons sur les nouveaux ministres qui ont été nommés dans le gouvernement Samalou Kondé II et sur le portrait des 4 nouveaux ministres les plus emblématiques du gouvernement de M. Samalou Kondé. En cinquième point, nous terminerons notre émission par la visite de l'ambassadeur des Jeux de la Francophonie, à savoir M. Lilian Thuram, qui a séjourné à Kinshasa du 25 mars 2023 au 28 mars 2023. Voilà, chers compatriotes, alors pour la Bandeko Oyo qui nous découvrez pour la première fois ou qui ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne RDC Source Info, nous allons vous mettre la vidéo qui vous explique comment faire. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton « Abonner ». Appuyez également sur le bouton notification, ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, premier point, vous devez savoir que tout est parti d'une vidéo de M. Daniel Safou. Vous savez que M. Daniel Safou, aujourd'hui, est en train de créer la polémique autour de l'identité de M. Jules Ali Nguété. Mais une chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, même si le papa de M. Jules Ali Nguété serait sénégalais, le débat n'est pas là parce que M. Jules Ali Nguété n'est pas candidat président de la République. Donc ici, on ne doit pas ressortir la loi de M. Noël Tchani, comme ils
essayent de le faire et comme ils essayent de manipuler. Ici, vous devez savoir une chose, c'est que la sicomine, ça veut dire le contrat chinois que vous connaissez. En tout cas, c'est un contrat qui a pillé la République, qui a pillé le Congo par des milliards de dollars qui ont disparu dans des paradis fiscaux. Et au lieu qu'on puisse plutôt tourner le débat vers ce pillage qui a été exécuté sous M. Joseph Kabila, ici on essaye de distraire les Congolais, ici on essaye de détourner l'attention vers des futilités, vers des bêtises, à savoir que M. Jules Aling Gueté serait sénégalais alors que le débat n'est pas là. Nous allons vous mettre d'abord la vidéo qui a suscité l'émoi et qui a créé la polémique de M. Daniel Safou, et puis nous vous mettrons également la réponse de M. Sankara qui répond à M. Daniel Safou qui n'est pas du tout un exemple. Alors, Awa Bolanda. T'es républicain. Alors, accepter la loi, comme tu dis là, des pères et des mères, c'est briser notre pacte républicain. Vous comprenez? Kengo Adon était qui? Malou était qui? J'en profite pour vous dire avec cette histoire des pères et des mères. Est-ce que vous savez qu'Alinguette, c'est un Sénégalais? Son père est Sénégalais. L'IGF. On lui a confié des grandes responsabilités d'ordre financier. Mais c'est un Sénégalais. Gilles Alinguette, c'est un Sénégalais. Son père est Sénégalais. Sa mère est Mbonda. Mais il est Congolais. Honorable, pourquoi il est Congolais. Attendez, je vous dis, je vous fais une révélation. Vous êtes journaliste, vous ne grattez pas. Gilles Alinguette, son père est Sénégalais. Sa mère est Mbonda. De Bandundu. Hello. Ce qu'il fait comme travail, nous n'allons pas accepter cela parce que son père est sénégalais. Mais il est congolais. Il est congolais de par sa maman. Ouais, la pessimote na Gilles Alinguette, 100% Moussakata, 100% congolais. Voilà quoi. Elle dit, monsieur, un petit gamin, soit Daniel Manioko, soit Daniel Ngouba, soit Daniel Safu, soit Daniel Tondolo. Dit, faut avoir respect à un homme d'État, et à bateau à valeur, et à bateau république, mon maison banga. Nous avons signé ça qui mouille dans mon coin. IGF a dit Bandaka, est-ce que vous avez la valeur des allées? Il y en a deux, Daniel Saf. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de République. Moussa Niosa en République. Est-ce que vous avez voté? Daniel Saf va voter. Votre temps est salamand dans mon coin, tellement que nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous, nous avons besoin de nous, nous avons besoin de nous. Mais nous avons besoin de nous. Mais nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Nous avons si moi, est-ce que vous avez une élection, ça va vous voter Daniel Safou. Dis, qu'on théorise ma voisin, qu'on théorise, qu'on finisse avec l'insanité, qu'on finisse avec la communion sur ma béca, qu'on finisse avec tout ça. Maintenant, vous avez un qu'on finisse avec gros mot. Vous avez un parlement, un Daniel Safou va bien. Est-ce que vous avez une autorité? Vous avez un politicien? Vous avez un rappel. Vous finissez avec Moïse Katumbi. Vous avez un rappel. Vous avez un rappel. Vous avez un rappel. Vous avez un les Romains tout le temps au Je voilà, chers compatriotes, c'est l'occasion aussi pour nous de vous mettre la vidéo de la maman. Alors, Awa, Tete Libino et Ango, avec les témoignages du pasteur Denis Lessi, Bolan. Té ah, maman Té, ton couta. Mais c'est quoi la maman? Olobi, papa a joué la lingette Azali Moussakata. Dozali Moussakata. C'est quoi Moussakata? Il y a secteur Nîmes. Papa Azalaki, papa a joué la lingette. Azalaki n'a. Azalaki Moussakata. Ngampe Moussakata. Oyeji. Papa a joué Azali Moussakata. Bézera. Bézera. Ngai, Azali Moussia. Moussi. Moussi, ok. Ce que papa a dit que ça va atelier. Je vais t'apprendre que Alinguette a botami na commune à Barumbu. Na veni baraka numéro 34. Pour que nous vérifions. Donc Alinguette a botami na commune à Barumbu sur avenue baraka 34. Papa n'est comme on a un key Moucheni ou Djou Philippe. Na otanga on a ndenga ba sakata. Akoufi est décédé le 2 juin 2010 na Matete. Moi, non, ni britannique. Place où ils opposent à la candidature. Azali, chef coutumier, il y a village Bende la Koutou. La lac Mahinda. Au moins, Bende la, on est à l'école, on est à l'école, on est à l'école. Bisous, toi, bien, toi, en face, il y a ville avant, nous sommes menki, na kati, na mboka, mboka, na yena,
ndeko na biso azalaki PDG ya office de route. Donc maman na ye comme na ye maman na zana bon moyen azana bon moyen maman mputu bongila mari mputu eza koma batsaka tata mputu bongila mari azana mwana mushi mwana mushi mboka mona Didas Pembe na maman mère zede pe son âme tout ce que tu Didas Pembe oui ça yo. Donc maman ya lingeta bota mi comme on est mputu bongila mari azana bon moyen ya kufite bo ke nous poser ba question azana mona mushi. Alors, Yaza Alingeta Aza mon chef coutumier, héritier du trône, Sakata, 100% mon maïndombe. Maman est maïndombe. Papa maïndombe. Alors, honorable déconné, tu as un canon à oké baba me mon anzoukou. N'a quoi intervenir, tu sais. Sakata, tu as un canon à bengi bengi ngai. On touche pas à Alingeta. On touche pas à la famille sacrée. Basimba kabatoka bangobilate basimba batulukola ba bosote basimba batulukola ba jamari lukula cité basimba ezaba ezaba bato amboka na ba bienvenue langa na lise kité yoko monsengo hein basimba kayiti. Voilà, chers compatriotes, alors ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que nous allons encore une fois parler de la justice dans notre pays. La justice, elle est lente à réagir. Ici, nous avons des dossiers qui sont sortis. Ici, nous avons des rapports qui sont sortis. Il appartenait maintenant à la justice d'accompagner M. Jules Alingeté pour faire arrêter les personnes qui ont pillé la République. Mais encore une fois, la justice, elle est muette. C'est la grande muette de la RDC. On l'entend jamais. Malgré tous les rapports qui sortent, Congo, Hold Up, tous les rapports, que ce soit de l'IGF, en tout cas, eux, ils sont aux abonnés absents et la plupart de ces rapports dont normalement la justice congolaise doit se saisir, mais malheureusement, jusqu'ici, nous voyons que cette réforme de la justice est en train de tarder parce que les délinquants sont toujours en liberté et ont encore des beaux jours devant eux. Alors, ici, Misso, si nous avons un conseil aujourd'hui à donner, c'est qu'il est temps que la justice puisse se réveiller et qu'elle puisse faire son travail. Elle n'est pas là pour négocier des pots de vin, elle est là plutôt pour faire respecter la justice, surtout dans des cas aussi gravissimes que celui-là de la Sicomine. Nous espérons que dans les jours à venir, les personnes qui étaient impliquées dans ce rapport-là, qui étaient impliquées dans les détournements de fonds du contrat chinois, seront arrêtées et face à la justice. En tout cas, il est temps que cette justice puisse se réveiller. Ce que vous devez retenir du rapport de l'inspection générale des finances, c'est qu'on est en 2008, le gouvernement congolais signe une convention avec un groupement des entreprises chinoises. Au terme de cette convention, le gouvernement congolais a mis à la disposition d'une joint venture, une entreprise créée entre les deux parties. Le gouvernement a mis donc à la disposition de cette entreprise qui sera créée, appelée Sicomine, des gisements de minéraux évalués à 93 milliards de dollars américains. Et pour l'exploitation de ces gisements, les entreprises chinoises devaient gagner et l'État congolais, de son côté, devait également gagner 3 milliards de dollars américains en termes d'infrastructures. Les groupements des entreprises chinoises se sont engagés à construire en RD Congo 5000 logements sociaux, 145 centres de santé dans les 145 territoires de la RDC, des universités modernes, des barrages hydroélectriques, les barrages de Katende, les barrages de Kakobola, 31 hôpitaux de 150 lits. Il devait en outre construire 3700 km de rails, de voies ferrées dans notre pays. Et enfin, le groupement des entreprises chinoises s'était engagé à réhabiliter totalement les aéroports de Goma et de Bukavu. Voilà les engagements. Alors, ce qui a été constaté dans l'exécution de cette convention, premièrement, l'État congolais qui a apporté 93 milliards de dollars américains en gisement dans la constitution de la société Sicomine, l'État congolais a eu 32% des parts sociales
tandis que les entreprises chinoises ont eu 68% des parts sociales pour n'avoir rien apporté. Ils n'ont rien apporté comme capitaux. La société a fonctionné sur base d'un endettement auprès des banques chinoises. Deuxièmement, il a été constaté que les revenus générés par l'exploitation de ces gisements au travers de la situation Sicomine, de la société Sicomine, les revenus générés étaient autour de 12 milliards de dollars américains. Sur les 12 milliards, voici la répartition. Les banques chinoises qui prêtaient de l'argent à Sicomine ont encaissé 2 milliards de dollars en termes d'intérêts. Les sociétés chinoises partenaires au sein de Sicomine ont encaissé 9 milliards de revenus et l'État congolais n'a bénéficié que de 822 millions de dollars américains en termes d'infrastructures. Et quand vous entrez pour examiner ces infrastructures, ce sont des infrastructures surévaluées, surfacturées, dont la visibilité sur le terrain pose problème. Vous pouvez prendre le cas de l'hôpital de Cinquantenaire. Il est mis dans ce contrat, les Chinois disent avoir réhabilité cet hôpital à 114 millions de dollars, ce qui est inacceptable. Troisième élément que nous pouvons évoquer en ce qui concerne cette convention, l'État congolais a consenti des exonérations de l'ordre de 3 milliards de dollars américains au profit des entreprises chinoises. La Sicomine, entreprise ainsi créée qui exploite les mines, n'a jamais rapatrié les devises d'exportation pour faire fonctionner l'économie congolaise. Enfin, les produits, la production des Sicomine, les minéraux qui sont produits par la Sicomine sont vendus aux sociétés chinoises qui sont actionnaires au sein des Sicomine et cette production est vendue à moitié prix et faisant perdre ainsi 7 milliards de dollars à la Gécamine qui est partenaire avec Sicomine. Voilà un peu les irrégularités qui ont été constatées. Et l'inspection générale des finances a formulé des recommandations en termes d'exigence. Et la plus grande qui a d'ailleurs été lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est la révisitation de cette convention. Cette convention devra être révisitée pour équilibrer les gains entre les parties. Il est inacceptable que nous ayons offert autant d'avantages que les pays ne gagnent rien. Du point de vue de l'inspection générale des finances, l'exécution de cette convention s'apparente à une colonisation économique inacceptable. Donc il faut qu'il y ait réparation. Et nous avons également exigé que tous les droits de l'État non payés dans le cadre de cette convention, dans le cadre de la Sicomine, ces droits-là doivent être payés par toute forme de droits. Nous avons également demandé à Sicomine, pour rattraper les retards dans les investissements ou dans les infrastructures telles que prévues dans la convention, nous avons exigé de la Sicomine de mettre à la disposition de la partie congolaise, le gouvernement, au travers de l'agence qui est chargée de faire la coordination de ses activités, au moins en 2023, 1 milliard de dollars américains pour les investissements en termes d'infrastructures telles que prévues dans la convention. Enfin, nous avions exigé de la Sicomine que les travaux des infrastructures prévues dans la convention soient effectués, soient faits aussi bien par les entreprises congolaises que les entreprises chinoises. Il est inacceptable que tous ces travaux sont confiés à des entreprises chinoises qui surfacturent et qui encaissent des gains importants. Donc nous avions demandé par la suite que dans le cadre de cette convention, les travaux des infrastructures à construire soient confiés 50% aux entreprises congolaises et 50% aux entreprises chinoises. Voilà brièvement le contenu du rapport de l'inspection générale des finances. Deuxième point, Kanyama KCC, nous avons dit qu'il y aura un millier de ces jeunes qui autrefois étaient des Kuluna. Aujourd'hui, nous ne cessons de le dire, c'est que c'est grâce à l'impulsion du chef de l'État
que hier, là où les Koulouna étaient tués, étaient massacrés, étaient poursuivis, aujourd'hui, on les arrête et on les amène en formation plutôt que de les tuer. Et tout ça, c'est le nouveau dynamisme qu'a impulsé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et nous devons reconnaître quand les choses sont bien faites. Alors, Toroloba Mingité, nous allons vous montrer ces réalités aujourd'hui qui sont palpables dans le programme du chef de l'État. Vous savez qu'il avait donné une place exceptionnelle à la jeunesse et nous sommes en train de le voir aujourd'hui, c'est que ça prendra peut-être du temps pour rééduquer nos jeunes délinquants, mais au moins nous avons commencé, c'est un début et nous continuons à féliciter parce que aujourd'hui il y a un homme qui est derrière également ces actions, c'est le général Kasongo Kabwik. Alors Awa, Tutielibinoba Image, Bolanda. Ils peuvent exploser de joie. Ces bâtisseurs du 2e et 3e bataillon du service national viennent de terminer leur session d'encadrement suivie d'une professionnalisation. Ce dimanche 26 mars 2023, ils ont obtenu leur brevet de MA du général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Occasion pour le commandant de ce service d'exprimer sa gratitude au président de la République. Je voudrais rendre un vivant hommage au chef de l'État, au président de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir permis que la formation et l'encadrement qui ont lieu en ces lieux puissent se parachever de bonne manière, mais aussi pour avoir mis les moyens conséquents dans le respect mutuel, dans l'harmonie. Sur l'effectif de 1008 bâtisseurs, 268 sont devenus maçons, 167 menuisiers, 87 ajusteurs. Parmi eux, plusieurs femmes. Bon, ma belle Agnès Nandosa, la petite Agnès Kishasa, d'ailleurs, on a concentré centre en Anga, la sixième menuiserie en Anga, nous sommes en Anga, on est au sala, on est à Bombay en Anga la sala, et on voit la sala, une stylise en haut. Nasa ne sait pas ma gueule, donnez la boue. Ceux qui n'ont pas pu s'appliquer correctement seront utilisés comme ouvriers agricoles. À l'instar de ceux du 1er bataillon, ces bâtisseurs nouvellement brevetés vont être affectés à travers le pays dans différents sites et chantiers que compte ce service rattaché à la présidence de la République. À noter que cette cérémonie de fin de session de formation s'est clôturée par un défilé des bâtisseurs. Chers compatriotes, comme vous le savez, aujourd'hui c'est la fin de la Kabylie. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de sortir. Vous êtes en train de voir hier, tous ceux qui étaient en train de crier, de parler au nom de M. Joseph Kabila sont en train de tourner Kazakh aujourd'hui. La plupart sont en train d'aller vers le changement. On vous avait promis le déboulonnement du système de M. Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est une réalité. Ici, la dernière personne qui a rejoint le bateau de l'Union Sacrée, c'est M.
Atundu, Alain Atundu. Alors, nous allons vous mettre les images et peut-être avant ça, vous devez savoir qu'aujourd'hui, le FCC de M. Joseph Kabila est en deuil parce que le bateau est en train de se vider et il ne reste quasiment plus personne. Ils sont en train d'espérer la candidature de M. Joseph Kabila, mais avec quel disciple aujourd'hui le bateau s'est vidé, s'est complètement vidé et il ne reste plus personne comme nous venons de vous le dire. Alors, ici, nous allons vous mettre la plupart de ces images, comme ça, pour moi, la Binomoko, aujourd'hui, le travail qui a été fait par le chef de l'État pour rééduquer ces brebis qui étaient perdues et qui ont retrouvé le droit chemin au Landa. Quelqu'un qui était kabiliste pur et dur. Moi, je suis kabiliste de sang. Si je quitte le kabilisme, je laisse le pouvoir, la politique. Il peut en 48 heures devenir Tshisekediste de pur et dur encore. Que chacun se dise que demain, sur le chemin, il y aura des difficultés, mais il faut s'assumer, s'autodéterminer pour aller jusqu'au bout. Le bout, c'est la victoire. Ayant tracé les cadres, il serait malvenu pour moi de faire un autre discours. Nous nous inscrivons et nous nous inspirons de ces discours pour soutenir la pensée, les idées qui ont été énoncées afin que ces idées forcent qui venaient de nous être annoncées se traduisent, deviennent de réalité. Je vous remercie. C'est la raison pour laquelle la Convention des Congolais Unis soutiendra la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshibota en 2023. Pour lui permettre de finir ce travail qu'il a commencé en 2019 et qui a été tellement perturbé, aussi bien par la pandémie de la COVID-19 que... Kabila. Mais qu'est-ce que tu peux perdre? Je l'ai dit à la population. Ceux qui sont partis, qui ont voulu tromper, qui ont trouvé que l'Union sacrée, c'est une blanchisserie, et qui doivent oublier tous les bienfaits de là d'où ils viennent, l'histoire les jugera le moment venu. Et j'ai bien dit que tous ceux qui sont passés par moi pour avoir le mandat ou pour être positionnés quelque part, en répondront le moment venu. Je ne me laisserai pas faire. Je suis de l'Union sacrée. Tshisekedi me connaît. Il sait comment je travaille, comment j'ai quitté Kabila, comment c'est que je suis en train de faire pour lui. Et félicitations à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est le président de tous les Congolais. Le président de la République a lancé un appel à la cohésion nationale, étant donné le défi sécuritaire, le défi de développement de 145 territoires, étant donné le défi de gouvernance en combattant la corruption, eh bien, en tant que patriote, nous ne pouvions que répondre positivement à cet appel qui sort du tréfonds de l'âme du Congolais. Moi, je n'ai pas traversé pour revenir. J'ai répondu à un appel du chef de l'État, à un père du père de la nation. Eh bien, c'est le Congo d'abord et nous devons nous engager à fond, n'est-ce pas, sans réserve, pour sauver le Congo. Quelqu'un qui était kabiliste pur et dur, il peut en 48 heures devenir tshisekediste pur et dur encore. Et puis il vous dit, mon cher frère, la politique, il faut être réaliste. Voilà, chers compatriotes, alors s'il y a quelque chose à savoir, et ça a été dit déjà par l'ancien président de la Cour constitutionnelle, c'est que M. Joseph Kabila avait le droit d'un mandat et de se représenter une deuxième fois, mais à la fin de ce deuxième mandat, M. Joseph Kabila ne peut plus, selon la Constitution, se représenter. Malheureusement, beaucoup de ses disciples veulent le pousser à la faute, mais je ne dirais même pas beaucoup, je dirais peu de ses disciples, parce qu'aujourd'hui il ne reste plus rien dans le camp de M. Joseph Kabila, mais une réalité, c'est qu'il ne pourra pas se présenter, la Constitution lui impose.
interdit. Donc, fin du rêve et fin de suspense pour M. Joseph Kabila. M. Joseph Kabila, je crois qu'aujourd'hui, est devenu une personne qui s'intéresse à la nature, qui fait visiter à son épouse, Mme Olive Lembe, les joies de la nature, que plutôt les joies de trop parler. Et nous le félicitons parce que je crois qu'il a entendu la plupart de nos paroles dans lesquelles nous disions qu'il était temps qu'il puisse s'occuper de son épouse et qu'il puisse l'intéresser à ses différents hobbies. Et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Madame Olive Lembe est en train de découvrir les joies de la nature. Voilà, chers compatriotes, alors gouvernement Sama Lukonde II, vous devez savoir que nous avons plus de 6 ministres qui ont quitté le bateau, ici notamment le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, et nous avons des nouveaux venus, notamment 4 emblématiques, 4 politiciens emblématiques. Nous avons entendu ici certains Congolais, certains chroniqueurs se plaindre en disant comment est-ce possible que M. Jean-Pierre Bemba devra se lever avec M. Vital Kamerhe devant M. Sama Lukonde. En tout cas, certains de nos compatriotes ne connaissent pas ce qu'on appelle l'humilité. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de mal qu'on puisse se lever devant une autre personne qui peut être le Premier ministre. Ici, ce que nous avons besoin, c'est d'un Congo qui gagne. Nous avons besoin de mettre nos orgueils de côté et nous tenons à féliciter tous ces hommes qui sont rentrés dans le gouvernement et qui ont mis leurs égos de chef de parti de côté pour rejoindre M. Sama Lukonde, pour épauler M. Sama Lukonde. Alors, nous commencerons peut-être par M. Vital Kamerhe. Ici, ça sera l'occasion pour M. Vital Kamerhe de peut-être montrer ses preuves après le procès de 100 jours dans lequel il avait été innocenté. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, c'est une chance qui lui est donnée de pouvoir se racheter auprès des Congolais. Il est professeur d'économie et nous pensons qu'il va relever la RDC, qu'il va en tout cas apporter sa pierre à l'édifice et nous lui souhaitons bonne chance. D'après ce spécialiste en économie, le nouveau ministre de ce secteur a les profils requis pour maîtriser la situation actuelle de l'économie du pays, notamment le cadre macroéconomique et la stabilité des prix sur les marchés. Avant de parler économie, je voulais toucher l'aspect sécuritaire. Parce qu'avec la présence de Vital Kamerhe, il va juguler la situation de l'insécurité qui bat son plein à l'Est. Et avec ça, ça permettra à ce qu'il ait des bons soubassements sur l'harmonisation de l'économie. Et ainsi, cela va rencontrer le souci et le désir de la population. À cause de son expertise, l'excellence Vital Kamerhe va militer de sorte qu'il y ait équilibre des prix, que le problème de flambée des prix soit réglé, le problème de perte en taux d'échange soit réglé. Et je sais qu'il est l'homme, l'unique d'ailleurs, la personne la mieux placée pour stabiliser la situation macroéconomique de la RDC en ces jours. Nous avons Monsieur Jean-Pierre Bemba. Monsieur Jean-Pierre Bemba n'est plus à présenter. Monsieur Jean-Pierre Bemba est un ancien chef rebelle qui a de l'expérience côté défense et nous pensons qu'il connaît les rouages des groupes armés, il connaît les rouages de la guerre et il sait qu'est-ce qu'il faudra nécessairement et où est-ce qu'il faudra appuyer pour que la paix puisse revenir à l'Est et en Burkina-Bissau. Donc nous lui souhaitons également bonne chance. Nous avons Monsieur Mbuza Nyamwisi, un ancien rebelle également du RCD, qui a fait son entrée dans le gouvernement. Il a un grand ancrage à l'Est en Burkina-Bissau et ici il vient en appui au chef de l'État. Nous avons pour terminer Monsieur Peter Kazadi. Vous savez que Monsieur Peter Kazadi est un avocat de formation, c'est un homme de la rigueur et nous pensons qu'aujourd'hui, le voir à la tête de nos institutions, à la tête de ce poste du ministère de l'Intérieur est une bonne chose et nous pensons qu'il y aura des réformes qui vont être effectuées et qu'il y aura effectivement le changement dont nous sommes en train d'attendre. Donc ici, nous pouvons dire que ça sera un gouvernement de campagne qui va surtout apporter son appui au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, nous vous avons dit que la plupart des gouverneurs ou la majorité des gouverneurs soutiennent le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons tous les ministres qui sont avec le président Félix-Antoine
Antoine Tshisekedi, nous avons les plus grands partis politiques qui sont derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui, vous devez savoir autre chose, c'est que le président Félix Antoine Tshisekedi a marginalisé l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition, même quand ils font des manifestations, ils sont incapables de réunir plus de 4000 personnes. Et pourtant, ils sont plus de 5 leaders qui soutiennent cette même opposition. Donc ici, c'est pour vous dire que l'élection est déjà jouée d'avance. Le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de renforcer et est en train d'asseoir son pouvoir. Et ici, l'opposition a bien compris qu'ils ont déjà perdu la bataille contre le président Félix Antoine Tshisekedi. Et malheureusement pour eux, ils essayent aujourd'hui maintenant de manipuler la population en disant que le président va tricher. On se demande même par quel effort le président devrait tricher avec la majorité confortante qu'il a derrière lui. Et surtout avec le bilan positif qu'il est en train d'engranger, qu'il est en train de collectionner tous les jours que nous sommes en train de voir. Nous avons les 145 territoires. Dans les jours à venir, vous verrez vous-même l'évolution de ces travaux, vous verrez vous-même l'état d'avancement de ce projet. Alors ici, c'est l'occasion pour nous de passer au dernier point. Dernier point à Bissau, vous savez que M. Lilian Thuram a été désigné par l'OIF comme étant l'ambassadeur des Jeux de la Francophonie qui auront lieu du 26 juillet au 6 août 2023 ici à Kinshasa. Alors, il était à Kinshasa du 25 mars au 28. Nous allons vous mettre les images de son arrivée et de son séjour en République démocratique de la RDC, Bolan. Écoutez, c'est la première fois et je crois que je suis extrêmement heureux parce que moi j'ai grandi effectivement dans la région de Paris, à Fontainebleau. Et j'ai grandi avec une grande communauté zaïroise. Donc c'était un rêve d'enfant parce que j'entendais beaucoup d'histoires sur Kinshasa. J'ai des amis qui faisaient des allers-retours. Et donc être ici, c'est incroyable et j'ai hâte de découvrir la ville d'Ivoire. Ben, vous savez, je pense qu'à travers la francophonie, il y a beaucoup de messages. Bon, bien évidemment, je suis un ancien sportif et je pense que très souvent, je pense qu'on devrait éduquer les enfants à travers les notions du sport, notamment du sport de haut niveau, pour que les enfants puissent développer la chose la plus importante chez un individu, l'estime de soi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que le sport, en règle générale, c'est une philosophie de vie et ça raconte beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, j'ai hâte de rencontrer les plus jeunes. J'attends beaucoup de choses parce que, comme je l'ai fait dans mon tweet de ce matin, c'est un grand sportif et c'est aussi une personnalité qui défend beaucoup de valeurs, notamment l'égalité des chances, l'égalité des droits, la lutte contre le racisme. Peut-être pour les jeunes gens qui n'ont pas voyagé, ils ne comprennent pas ce que c'est que le racisme. Mais lui, il s'est engagé dans cette bataille-là. Mais si nous l'avons invité comme ancien footballeur, pour motiver les jeunes gens congolais, pour que ces jeunes gens comprennent qu'à travers le sport, ils peuvent faire beaucoup de choses. Parce que, comme on le dit, le sport mène à tout. C'est-à-dire que lorsqu'on pratique, on a la confiance de soi. Et donc, nous avons voulu, à travers lui, parce que je pense que lui, il peut faire passer les messages que moi, je ne peux pas faire passer. C'est pour ça que nous l'avons, et nous sommes très contents de l'avoir aujourd'hui avec nous ici à Kinshasa.
L'ancien footballeur international français Liliane Thuram, ambassadeur du Comité international des Jeux de la Francophonie, séjourne à Kinshasa. Arrivé la nuit du samedi 25 mars, le champion du monde 98 a été accueilli à l'aéroport international de Njili par la directrice du Comité international Zeina Mina et le directeur du Comité national Isidore Kwanjangembu, en vue de promouvoir les valeurs de la francophonie qui sont, entre autres, la solidarité, la diversité, l'équité et l'excellence. La visite de l'ancien footballeur international français s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Ce dimanche, il est allé à la rencontre des jeunes footballeurs du centre Oudjana au stade Tata Raphaël. Tout a commencé par un match de football d'exhibition entre ces jeunes, suivi de la parade de Massanou, la mascotte des 9e Jeux de la francophonie. À l'entame des allocutions, Tchepouk Alain, directeur du centre Oudjana, a fait une brève présentation du centre. En effet, Oudjana est un centre de formation qui est structuré en trois volets, à savoir le social qui accompagne plus de 400 enfants des militaires, les volets sportifs ouverts aux athlètes de 7 à 19 ans et les commerciales qui offrent des formations techniques et tactiques. Le directeur du CNJF, Isidore Kwanja, a quant à lui remercié l'invité de marque, puis la délégation du Comité international des Jeux de la francophonie avant de donner quelques détails pratiques sur l'aménagement du terrain d'entraînement, tout en rappelant les efforts considérables du gouvernement qui met des moyens pour la construction des infrastructures. Il souligne au passage que les plus grands bénéficiaires de cet événement sont les jeunes. Prenant la parole, Liliane Thuram a consacré une heure de temps d'échange au cours duquel ces jeunes ont eu l'opportunité de lui poser toutes les questions en lien avec sa carrière, ses orientations professionnelles et ses sources de motivation. Répondant à toutes ces interrogations, le champion du monde 98 a indiqué que le plus important, c'est d'avoir des grands rêves parce que tout commence par des pensées. Il a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils à ses jeunes athlètes avant de clôturer sur son combat contre le racisme. Voilà, chers compatriotes, c'est la fin de notre émission. Merci na bino nyosotu o ebolanda kibiso. À très bientôt. Congo, 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 Cong